fait 20 ans que je fais du handball, ça fait 20 ans que ces matchs-là sont toujours difficiles à négocier. Ma foi, ça n'a pas été trop mal. Je pense qu'on a fait un match assez sérieux. On a été ballotté à certains moments, mais pas véritablement inquiété. Et voilà, face à une belle équipe, c'est une équipe de D1 en fait. Donc avec un public, une salle pleine. Donc voilà, c'est jamais très facile et je crois que ça a été pas mal fait. Quoi. Un match de coupe, c'est très particulier. Tout le monde a envie de jouer sa chance à fond. Peu importe l'équipe qu'on a en face de nous, on veut. La seule chose qui importe, c'est de gagner le match. Et on a vu que ce soir, Créteil, avec tous ses supporters, a voulu vraiment aller au bout. Mais je crois qu'on a montré beaucoup de caractère ce soir. On ne s'est jamais affolé. Après une bonne première mi-temps, on était devant. On ne s'est pas affolé en deuxième mi-temps, même quand ils reviennent à deux buts. Donc voilà, on est très heureux tous à entendre tout le monde dans les vestiaires. De continuer l'aventure en Coupe de France. On n'était pas en vacances encore, vu qu'il restait ce match-là ce soir. On a bien commencé, mais le match il était vraiment rude. Il faut que je reste toujours concentré. Il y a des matchs qui vont arriver l'année prochaine, donc faut que je reste sur cette dynamique-là. Il faut être toujours à 100%. C'est une grosse satisfaction en ce qui concerne le staff d'avoir fait confiance à Jeff parce qu'il nous le rend bien et voilà, il a été vraiment très très fort aujourd'hui, je suis super content pour lui et c'est bien mérité. Voilà, il rentre plus pour faire souffler Samuel Roubien, il est là maintenant en concurrence directe avec lui et voilà, et on l'a vu, aujourd'hui ça a été lui qui a joué, donc c'est bien, si on installe aussi une concurrence dans ce domaine-là, c'est intéressant, alors que c'était pas forcément le but au début de saison, et puis il a réussi petit à petit à creuser son trou. Et donc on est vraiment très content de lui. Ouais. C'est un petit Danois à moi, ça, on connaît. C'est un gars à La Réunion, on les a fait un beau ensemble. En plus, c'était la fête CAF le 20 décembre, donc il a fait plaisir à toute bande gars à La Réunion, ça a fait plaisir à moi aussi.